Bienvenue à tous, on se retrouve pour l'épisode 4 de Alien Isolation. J'espère que vous allez bien, moi ça va de mon côté. On va continuer, on va avancer. On est aujourd'hui le mardi, je ne sais plus combien, octobre, je sais même plus quel jour on est, je crois qu'on doit être mardi. Et on va avancer dans le jeu du. On va avancer sur le let's play d'Alien Isolation. Et je vais pas vous faire attendre plus longtemps car comme vous le voyez, je suis en train d'avancer déjà là. Et je crois que je ne sais pas où je dois aller. Alors on s'était arrêté un peu plus loin dans le jeu. Parce qu'on a eu un petit souci du chargement, donc j'ai arrêté la vidéo et en même temps ça commençait à faire une vidéo beaucoup trop longue. Je crois que ça a duré 40 minutes. Et nous on va aller chercher ce qu'il y a dans ce conduit de ventilation. Voilà, ramasser mélange B. Alors faudra peut-être que j'aille faire un tour aussi à l'inventaire. Je sais même plus comment on fait d'ailleurs. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah, mais si, je peux taper. Ah, d'accord. Ah oui, voilà. Fumigène, ok. Midi kit L1 pour fabriquer. Alors, qu'est-ce que je peux faire, moi, de beau, là, avec tout ça? Parce que, bon, je comprends pas. Appuyer sur L1 pour fabriquer. Ça fait rien. Là non plus, ça fait rien. Engager élément, ouais. Engager élément, ouais. Je sais même pas ce que je suis en train de faire, hein, je tiens à vous dire. Et là, engager. Fabriquer. Objet fabriqué, je sais même pas ce que je viens de fabriquer. Je sais même pas ce que je viens de fabriquer, c'est un truc de malade. bon, alors nous on en était ici, on a crevé ici, là. Où il y avait une bonne femme qui disait... à se baisser. Ah oui, on peut taper, ça c'est cool ça. On va se planquer. Putain, je me suis fait repérer, bordel. Moi, je peux même pas. Non. Non, vous avez rien vu. Est-ce qu'elle va se ramener? Non, elle va pas se ramener. Hein. Reste là-haut, t'es très bien toi. Oh, c'est coquille. Oh putain, les boules. Oh. Non, il n'y a plus personne normalement maintenant. Là. Ouais, voilà. On est seul. Donc, on s'en était arrêté ici, nous. On est décédé un peu plus haut. Donc on va continuer à avancer dans le jeu. Voilà. Alors, ici j'ai pas accès. Qu'est-ce qu'il y a là-bas au fond? On va monter là-haut après. Je vais récupérer ce qui est... Voilà. Un synthoniseur d'accès. Elle essayait de pirater la sécurité de l'ascenseur. Les circuits ont grillé, c'est du gâteau. Faut juste trouver une nouvelle cellule de données. Trouver une cellule de données pour réparer le synthoniseur. Alors. Elle était juste là, voilà. Je sais même pas à quoi ça sert ça. Truc de système là. Voilà, si je mets ça inactif. Dis-moi pas qu'elle m'a pas vu. Oui, ils m'ont pas vu. C'est un truc de fou. Hein. Cache-toi, 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 cache-toi. Ah, je sais pas ce que je me suis foutu. Là, je peux pas y aller. Ils me disent grimper à un moment donné. Là. Grimper, ouais, voilà. Putain, elle est là. Putain, elle est là. Quelqu'un d'autre a vu un truc bouger par là-bas? Allez, 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 qu'on se fait pas repérer. Je
crois qu'ils étaient pas là. Non, 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 t'as vu personne. D'ailleurs, on se soigne comment, là? Hein? Parce que, bon, j'aimerais bien me soigner, moi aussi. Non, mais ils vont rester ici à camper, là? Ah, ils ont bougé. Allez, dégagez. Je sais pas comment... Hey, je crois que j'ai vu quelque chose. On a un intrus. Ouais, vous avez un intrus, ouais, vous l'avez trouvé, ouais. Et ça s'ouvre pas ici? Ah si, ça s'ouvre. Voilà. Là, il y a quelque chose. Fumigène. On va récupérer tout ça. Là, je vois que je peux pas... émerge. Oh putain, mais... Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompé de bouton. L2 pour le lancer. Hein, j'en veux pas. Voilà. Ça, j'en veux pas de ça, moi. Camelot. Allez, on récupère la camelot comme d'hab. Bon, là, je peux pas. Bon, j'espère qu'ils y sont pas encore devant. Putain, mais si, mais bougez, bordel. Il y a un truc qui bouge. Restez au taquet. Comment ça se fait qu'ils bougent pas? Ah, mais dis-moi pas qu'on... Ça y est, à peine on se fait repérer, c'est foutu, quoi. C'est bon, ils vont rester devant, là. Comme des cons. Bon, on va attendre ici, tout sagement. Parce que je vois qu'apparemment... Je sais pas, mais j'espère qu'ils vont pas rester une éternité ici, devant ce conduit. Oui, bah t'as rien vu, et bouge de là déjà, de toute façon. Ouais, oh. Tu vas pas rester ici à... On va y retourner, on va vérifier s'ils y sont encore, mais à mon avis, je pense qu'ils y sont. J'espère qu'ils ont bougé, ces couillons. Enfin, ils ont bougé. Y'a quelqu'un ? Alors, il y en a un qui va par là. Putain, mais non, mais attends, mais je suis complètement bloqué. Ils sont 15, les gars. Ils sont 15. C'est abusé. C'est abusé. Ils sont 15. Comment tu veux faire? Tu peux rien faire. C'est mort. Il y en a un qui est là-haut, l'autre, elle est là-bas. Comment tu veux t'y prendre, toi? Ils sont marrants, eux. Encore qu'il y en a un seul, bon, ou deux, ça va, mais t'as aucun accès. Si tu passes à peine légèrement devant la femme qui était en train de monter dans les escaliers, elle va te repérer, donc elle va faire « Oh putain, j'ai vu quelque chose qui bougeait, là !» Continuez de chercher. Ouais, ben, je sais pas comment on va faire, les amis, hein. Mais... Oh, putain, ils étaient là, hein. Ah, regarde, ils sont comme des cons. T'as l'impression de voir deux mongols qui sont en train de voir une plaque d'évacuation, là. Et ils bougent pas, le pire c'est qu'ils bougent pas. Donc forcément, nous, ben, on va retourner ici, on va y repasser encore 2 minutes de plus. Sinon, je vais commencer à attaquer la manière forte, ça veut dire, ben, je vais cogner. Et moi, j'aimerais bien me soigner, moi. C'est possible de se soigner, là? Non, il est pas... C'était quoi déjà pour... Ah oui, voilà. Midi kit. Comment on fait pour soigner avec le midi kit? J'aimerais me soigner éventuellement. Comment on fait pour se soigner avec le midi kit? Oh, j'ai compris que tu voulais cogner. Et j'aimerais bien qu'elle applique le fameux midi kit, elle. Comment on fait?
Je vois que j'arrive pas à comprendre. Elle est dans les conduits. Ah bah tu m'étonnes, depuis le temps que j'y passe dans ces conduits là, rien que pour passer en plus le... Bon, ils ont bougé. C'est déjà une bonne chose. Ah, qu'ils aient bougé. Hey, on peut le faire. On va arriver à passer au moins là. Quelqu'un d'autre a vu ça ? On va tracer là-bas. Oh, putain, il y en a un là. On est passé. Ah, il y en avait un là-bas. Et ben les amis, je peux vous dire qu'Alien Isolation, il est tendu. C'est ce que je peux vous dire, c'est qu'il est tendu. J'ai rien compris à ce que je viens de faire là. Voulez-vous vraiment charger cette version annulé. Qu'est-ce qu'il faut que je mette? La sauvegarde. Recommencer la sauvegarde actuelle. Qu'est-ce que c'est que ce bins? Alors ça aussi c'est un truc que j'ai jamais compris. Alors je sais vraiment pas si on va continuer évidemment la suite de Alien Isolation. Parce qu'il m'a l'air d'être assez showtime. Encore ces gars, ils nous ont pris encore pour des cons. Ils sont comme Ubisoft, j'ai l'impression, eux aussi. Alors, sauvegarde, des bruits au-dessus, de... Pensez de quelque chose rôde dans les parages. Sélectionnez une sauvegarde de mission à charger. C'est-à-dire. Moi, je comprends rien, moi. Commencez de la sauvegarde actuelle. Voilà. Hein ? Super les sauvegardes aussi. Au lieu de nous mettre recommencer, oui. Non, non, les autres ils t'ont fait un truc, un questionnaire pour que tu puisses recommencer. Ça c'est génial ça. Bon. On est où ? Alors déjà on va récupérer cette merde. Bon, ça a l'air d'être tendu Alien Isolation, hein, je peux vous le dire. Est-ce que je dois employer la manière forte, c'est-à-dire les cogner un peu, ça fait pas de mal. À peine t'avances légèrement. Regarde, voilà. Voilà. Le truc, quoi, sérieux, c'est pas abusé. La meuf, elle te voit pas. Hein. Je tiens à dire, la meuf, elle nous voit pas du tout. C'est sûr. Et j'y vais discrètement. Hein. Je tiens à dire que j'y vais discrètement. Je me fais choper. Forcément, le truc est tout calculé. Hein. Donc, il faut que je trouve l'ascenseur. L'ascenseur se trouve où? Je sais pas où se trouve l'ascenseur en plus. Donc le jeu il m'a l'air d'être plutôt compliqué et rien que de voir déjà ici comment il faut faire, je sais pas. Mais il m'a l'air d'être aussi compliqué. Et donc du coup je sais pas si ce let's play sera, on le fera vraiment entièrement. Parce que je vois qu'apparemment le jeu m'a l'air d'être très complexe, rien qu'au niveau des sauvegardes et même le jeu en lui-même. Je vois qu'apparemment c'est Alien Isolation est plutôt... Elle est juste là, voilà. Tu veux prendre ce risque ? T'as raison. Je propose qu'on la trouve et qu'on la bute. D'après ce que j'ai. Je suis sûr qu'elle est en bas. Alors je vais voir si en passant par là j'arrive. Non, rien n'a bougé, ta gueule, toi. Désolé hein, pour mon langage très... Merde.
Waouh, waouh, chou, ah, c'est là où il faut aller. Trace, 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 trace. Amène-toi, amène-toi, amène-toi. Alors pour soigner, je sais même pas comment on doit faire. Je comprends rien au niveau de ça aussi, des medikits. Hein. On va se planquer. On va attendre un peu. Moi, quand je dis que j'emploie la manière forte, c'est que je dois employer la manière forte. C'est tout. Bon, ça s'est calmé. D'après ce que je vois. Je crois qu'elle est partie en bas. On va jeter un œil. Tu rêves ? Hors de question que j'aille par là. Pourquoi il y a un Elle alien ? Elle a pris ton outil de piratage. Il marche pas. On va trouver un autre chemin. Ça fait trop longtemps qu'on est ici. Ouah, c'est quoi ce bruit ? Il y a un truc qui cloche là. Ah, d'accord, ok. Ramasser revolver. Voilà quelque chose qui peut nous servir. Un flingue. Qu'est-ce que tu veux de mieux ? Carte magnétique. On ramasse tout ce qu'on peut trouver éventuellement. C'est quoi qu'il y a là ? Non, là c'est fermé. On va tenir pour se cacher, d'accord. Ça on l'a bien compris, ça aussi. Qu'est-ce qu'on a de beau là ? Rien ? Non, on n'a rien de spécial ici. Donc on va avancer, hein ? Parce que... Il y a un passage là ? Ouais, mais je pense qu'à mon avis ça sert pas à grand chose ce passage. Parce que je vois qu'on peut continuer à avancer. Donc on va continuer évidemment. Hein. Donc là il n'y a rien. Hein, j'espère qu'il faudra pas rallumer le courant. Moi c'est que j'aimerais bien me soigner moi avec le medikit, mais je sais pas comment on doit faire. L1 pour fabriquer. Tiens. Mélange B, ouais. Ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Est-ce que j'ai fait un midi kit, là ? Alors, on va rappuyer, là. On va aller sur le midi kit. Voilà. Activer. Ah, voilà, j'ai tout. D'accord, ok. Ça y est, j'ai compris. Bon. Moi, il me faut beaucoup de temps pour que je comprenne quelque chose, hein. Donc là, il n'y a rien. Là non plus. Bon, bah, au final, on finit dans un cul-de-sac. Et j'ai cru voir quelque chose là, non, passé. Ou c'est moi qui hallucine. Ah non, mais en fait, c'est des vaisseaux. Oh putain, j'ai cru que c'était quelqu'un. Oh. Bon, on va se manier un peu. Ouais, mais si je vais là, forcément, je vais sortir de l'autre côté. Hein? Il y a quelque chose. Ouais, ramasser Camelot comme d'hab. Détecteur. Donc forcément, normalement, si c'est... Oh là, il y a 40 passages. Là. Le bordel, il s'est coincé. Quoi. Et je suis trop fort où je l'ai lancé, moi. C'est sombre. Et donc, on ressort ici, les amis. Et oui, c'est formidable. Putain, trop fort, quoi. Qu'est-ce que je dois faire, moi, maintenant, là ? Niveau de sécurité trop élevé. Ah, ça veut dire qu'il faudra que je coupe le courant. C'est ça ? Il va falloir que je coupe le courant là où je viens de croiser cette bande d'abrutis qui était à ma poursuite. Ne vous inquiétez pas, je vais aller m'en occuper. En mode, je fais n'importe quoi. Tiens, je balance ça. Maintenant que j'ai un flingue. Hein. Ah, ça c'est bon ça.
Ça, c'est bon, ça. Oui, il faut continuer à monter. Donc voilà, un R2, hein, même si... niveau trop élevé. Quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Niveau de sécurité trop élevé. Attends. Moi, je viens pas de là, moi, si? Je viens de là? Comment ça se fait tout, que tout s'est fermé? Je comprends pas, là. Actualiser la carte. Ok, ça s'ouvre pas. Ah mais je suis coincé à l'intérieur ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi je viens de là. Hein, logiquement, je viens d'ici moi. Là, y a rien, il y a un point de sauvegarde. Puissance faible. C'est quoi ces bruits? Il y a des bruits chelous. Hein. Alors, j'ai une carte magnétique. Attendez, ce qu'on va faire, on va sauvegarder. Parce que sinon, on va devoir recommencer dès le début du jeu là. Hein, forcément. Ah d'accord, ok. Utiliser les cartes magnétiques, donc on peut sortir tout, au final. C'est plutôt cool. J'espère qu'on va pas croiser. Je suis accroupi. Ah non, je croyais que j'étais accroupi. Allez. Plaque d'identité. Y a rien. Ah, c'est de la Camelot. Ah oui, bah oui, en niveau Camelot, je pense que je dois être blindé, hein, ça c'est sûr. D'ailleurs, à propos de ça, tiens, on va se faire un medikit. Ou un fumigène. Non, on peut pas fumigène. On peut se construire que des medikits alors. C'est ça. Hein. Tac. Un peu de ça. Voilà, tout est bon, tout est prêt, hein, on va le construire. Au final, voilà. Mais merde, oh putain! Lâche-moi ça, s'il te plaît. Hein. Donc là, c'est fermé. Là, il y a quelque chose. Bombe fumigène. D'accord, maintenant je vais pouvoir construire une bombe fumigène. D'après ce que j'ai bien compris, il y a le plan qui explique comment faire une bombe fumigène. Oh putain, il y a un mec décédé là. Trop élevé. Oh, bon sang. Oh, ce qu'il a pris lui. Vas-y, on va le fouiller, hein. Ah ouais, on ramasse tout. Désolé, mec, hein. Je prends juste qu'est-ce qu'il me faut. Parce que je crois que là, maintenant... Ah. J'ai ma grenade aveuglante. Donc là, je peux pas rentrer dedans. Donc à mon avis, il doit y avoir un système pour pouvoir y rentrer. Je pense qu'on va faire un détour. Oh, bon sang. La boîte noire. Concentre-toi. Accès non autorisé détecté. Verrou de sécurité enclenché. Veuillez patienter pour vérification de sécurité. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est quoi ça? Utiliser.
C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je les décale tous, c'est ça? Un par un? Je vois qu'apparemment il faut appuyer sur chaque plaque pour qu'elle se déplace à gauche. Je peux pas là? Qu'est-ce que je sais pas ce que je viens de faire, hein, je tiens à vous dire. Derrière, non. Ah, le petit ordinateur, cellule de données. Ok, un synthétiseur d'accès en marche. Pirater l'ascenseur vers Singson Communication. Bon, testons ce truc. Alors, la femme, elle disait que ça marchait pas. D'accord, ok, en fait, ah ouais, il faut trouver le bon point pour pouvoir, Eh, je vais pouvoir ouvrir toutes les portes maintenant, ça va être superbe. Signal perdu, c'est-à-dire... Ah, mais il faut que je compose le code. Oh, putain... Ça... Non, incorrect. Quoi? Oh putain, on va y passer un moment, je sens. Quoi, qu'est-ce qui... Ça? Oui. Ça. Et ça. Voilà. Donc grâce à ça, je vais pouvoir ouvrir plein de portes. Dont celle-là, pour commencer d'ailleurs. Oh là là, on va s'amuser avec ce synchroniseur maintenant. Ça va être génial. Donc il faut composer le code en fait qui nous donne à l'intérieur. Non, attends, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Et c'est celui-là. Voilà. Veuillez patienter. Voilà. Donc grâce à ça, évidemment, on va pouvoir fumigène. C'est encore un truc pour se cacher, je suppose, oui. Là, on a une plaque à ramasser. Non? Oui. Louche privée à l'intention du Marshal Waits. Ici Chief Porter de l'assistance technique. Écoutez, il n'y a que dalle dans cette boîte noire, Waits. Je ne sais pas combien d'accords de confidentialité d'entreprise on a bafoué pour en arriver là. À part le logo de la Wayland Yutani et un affichage vide, niette. D'un autre côté, ces trucs-là sont faits pour durer. Alors soit une personne à bord du Nostromo a fait en sorte que la mémoire de leur unité centrale maman l'efface du système, ou pour X raison, les données ont été corrompues avant d'arriver ici. Je peux savoir en quoi c'était une tâche prioritaire? Je sais pas. Je sais pas ce que tu me racontes, toi. Il y a bien là le souci, l'ami. Alors, on peut construire plein de trucs. Alors, ce qu'on va faire, on va aller faire un tour, voir. Amorce. Agent collant. Détecteur. Et ça. D'accord, ok. Il nous faut à chaque fois trois éléments pour pouvoir construire, fabriquer une bombe ou quoi que ce soit. Donc là, je viens de fabriquer un truc. Hein, une bombe fumigène. Donc une fois qu'on a composé le code, je vois qu'apparemment on peut ressortir en toute tranquillité sans se retaper les codes, tout ça. Donc maintenant on va pouvoir faire demi-tour et ouvrir quelques portes. Juste avant une sauvegarde, hein, parce que sinon on va devoir recommencer à chaque fois. Oui, voilà. Parce que je vois qu'apparemment il y a une isolation, il nous demande tout le temps de sauvegarder. C'est ce que j'ai pu comprendre. Après, si vous savez comment on fait pour revenir de là où on s'en... Désactiver le verrou de sécurité. La porte est fermée. Désactiver le verrou de sécurité. C'est-à-dire...
Il est où ce verrou de sécurité? Ah d'accord, il est là. Je pense que ça doit être ça. Tu m'étonnes que t'en as marre. Moi aussi j'en ai marre. Alors là, t'as dit ouais, ça marche pas ça. Bah si, ça marche parfaitement, j'ai envie de te dire. Hein? Bon, déjà, je vois qu'on a le terminal. Donc on va déjà désactiver ce truc. Il faut qu'on trouve comment le désactiver. Là, il n'y a rien, je peux rien faire. Désactiver, voilà. Allez, désactive. Ça marche pas. Waouh! Ça c'est bon ça. Comment je dois m'y prendre? Ah oui. Ah je bouge plus moi là, je fais rien. Oh god, banana. Eh, je peux te dire que quand t'es dans ce moment là, sérieux, en vrai tu dois flipper hein. Donc voilà notre premier alien. Oh, qu'il est mignon. Hein? Gardez-moi le. Il est tout beau. Il est prêt à m'attraper. Il est où? Vous avez obtenu un parfait organisme. Oui. Donc là, je viens d'en repérer un tout mignon. Hein? Ça y est, enfin. Accéder au terminal. Ta, d'accord. Je vais pas lire, hein. Au début je lisais, mais. En avant-poste, progrès. Audio, que dalle. Et utilitaire, que dalle aussi. D'accord. Bon. Alors. On va aller du côté où l'alien, on l'a vu passer, parce qu'à mon avis, il n'y a rien à prendre ici, non, il n'y a rien du tout, on doit passer nous par là en tout cas. Ça commence à devenir intéressant, hein, le jeu, il a eu du mal à se lancer. En même temps, je vous propose des let's play, des vidéos d'une demi-heure hein, pour éviter que vous soyez trop embêtés à regarder des vidéos qui durent. Là, je crois qu'on vient de faire une marche arrière. Ouais. Donc, on va avancer par ici. Je pense que c'est peut-être la meilleure solution de descendre. Non. Y a rien là. Non, y a rien du tout. Bon, on va remonter au-dessus. Bah, je pense qu'on va aller retrouver les œufs de coco qui sont en haut. À part s'ils se sont fait bouffer par un alien. Ça commence à devenir un peu stressant. Tous ces bruits. Ah bah oui. Oui, bah oui, forcément. Allez, on va retrouver les cocos là-haut. On va aller faire un peu la guerre. C'est dur des fois à distinguer les codes. Comme celui-là par exemple, où j'arrive pas. Ah, c'est celui-là. Voilà. Après, c'est celui-là. Et après. Ouais, juste attends. C'est bizarre que le niveau de sécurité c'est refermé. Ouais, vas-y. On va, on
va voir ici. Parce que c'est un truc que j'ai toujours pas compris. En tout cas, il y a quelqu'un. Il est derrière moi. Il est derrière moi. Je m'en doutais, je l'avais entendu. Sauf que j'ai pas percuté. Waouh, il m'a mis une gifle en même temps à la fin. Génial. Quoi fait du bruit alors lent doucement. Donc on reprend d'ici alors au final, on a vraiment pas le choix hein. C'est un peu dommage. Pirater l'ascenseur vers Simpson. Donc en gros il faut que je recoupe le... J'en ai marre, moi aussi j'en ai marre. Je peux pas savoir. Donc au final je vais pouvoir utiliser donc l'appareil qu'on avait utilisé tout à l'heure, voilà. Le synchroniseur du moins, excusez-moi. C'est le synchroniseur qu'on va utiliser. C'est quoi? C'est ça. Là. Ça. Et ça. Donc le terminal nous dit rien. Si elle enlèverait sa main, ce serait peut-être moins repérable aussi. Hein. Parce que là, t'as quelle sa main normale. Allez, on récupère ce qu'on a à prendre. On trace. Donc là, il n'y avait rien du tout. Hein. Voilà. On va ouvrir cette porte. En fait, à chaque fois qu'on trouve un point de sauvegarde, on est obligé de sauvegarder. C'est un peu. C'est un peu bête. Pour éviter de recommencer ce qu'on a à faire. Et j'aurais dû sauvegarder moi aussi tout à l'heure. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire dès que cette porte va s'ouvrir. On va aller sauvegarder au fond là-bas, tout droit. Ça évitera de qu'on ait à recommencer 30 000 fois. Et on s'arrêtera ici d'ailleurs les amis. On va essayer de voir si on peut échapper à l'alien. Et si je vois que ben, on n'y arrive pas, ben, on s'arrêtera ici pour aujourd'hui. Et on reprendra la vidéo, le let's play. Dans quelques jours. Donc j'essaye de faire un délai de 2 jours hein, à chaque vidéo. Donc le let's play déjà avance un peu plus rapidement. Et que vous puissiez aussi avoir des vidéos à regarder dans ma chaîne. J'essaye d'être le plus actif possible. Alors le code d'aujourd'hui c'est celui-là. Celui-là. Et celui-là. Je sais pas comment je vais y arriver à m'en sortir. Il est là! Cours! Oh, mais comment c'est tendu! Bon les amis, on va s'arrêter ici.
J'espère que vous vous aurez pas cassé les oreilles en gueulant comme ça. N'oubliez pas, laissez un petit pouce bleu, un commentaire et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve pour la suite du let's play d'Alien Isolation. J'espère qu'on va arriver à sortir de cet endroit-là avec ce fameux alien là. J'ai l'impression qu'il court un peu trop vite pour moi. Portez-vous bien et on se retrouve pour la suite du let's play. Allez, salut les gamers.